les autres pavillons qui sont indispensables pour une visite à Venise. Le pavillon de l'Allemagne qui est maintenant le pavillon de la France. Le pavillon de la France qui est maintenant le pavillon de l'Allemagne. Chez les Français, il y a une œuvre de Henri Sala, artiste albanais, qui vit à Paris, un artiste qu'on a vu au Musée d'art contemporain de Montréal dans une grande exposition inoubliable. Ben, ça aussi, je vais vous dire, c'est inoubliable. C'est un hommage à Ravel, à son concerto pour la main gauche. Et c'est Louis Lortie qui est le pianiste. C'est la main gauche de Louis Lortie. Vraiment très beau. La Grande-Bretagne, extraordinaire, Jeremy Deller, lauréat du Turner Prize il y a quelques années, qui a fait un pavillon extraordinaire. C'est tellement compliqué, je ne peux pas en parler, mais c'est optimiste, c'est positif, c'est une œuvre de société. Il n'est pas le seul auteur des objets que vous voyez là, une grande participation de toutes sortes de gens. Il y a une vidéo magnifique avec des oiseaux et des enfants qui jouent dans une espèce de Stonehenge gonflable, extraordinaire. Et en plus, on sert du thé, mais pas n'importe quel thé, un bon thé anglais. Parce que pour les amateurs de thé comme moi, un bon thé, ça se trouve difficilement, les thés comme on aime, c'est-à-dire fort, ça se trouve difficilement à Venise. Alors j'étais très reconnaissant à l'artiste Jeremy Deller pour les deux thés qu'il m'a servi de façon gratuite, parce qu'il ne faut pas payer, c'est gentil. Bon, chez les Allemands qui sont en France, il y a Ai Weiwei. Ai Weiwei, à qui on n'a pas donné la permission de quitter la Chine. Quelle histoire triste. Un artiste de son génie, de ne pas pouvoir célébrer avec lui ici. Malheureusement, il est pogné chez lui. On a une artiste, Dayanita Singh, de l'Inde, qui est aussi dans le pavillon français, opéré par les Allemands cette année. Aux États-Unis, il y a Sarah Z. Et ce qui m'a touché au cœur, c'est qu'ils ont préparé un catalogue et l'œuvre initiale, quand on rentre la première pièce, est une espèce de globe qui est très semblable à l'œuvre qu'on a acquise pour le Musée des Beaux-Arts du Canada. Et c'est notre Sarah Z qui est dans le catalogue parce que son œuvre n'était pas prête, n'a pas été terminée à temps pour le catalogue. C'est extraordinaire. Alors, je suis très content de voir ça. Il y a du graffiti, mais du vrai graffiti de rue au Venezuela. Quand on voit le pavillon de l'Italie, je dois dire qu'ils ont changé de nom, ça s'appelle le pavillon international maintenant. Et conservateur, et le commissaire, je devrais dire, un Italien qui est conservateur à New York, au New Museum, qui a fait une expo vraiment extraordinaire. Ce que j'aime, c'est quand je vois le grand, grand pavillon international et on ne reconnaît aucun artiste, il n'y en a pas un que j'ai déjà vu. Et ça me fait toujours plaisir.